Samuel Le Bihan est papa de trois enfants dont Angia, une adolescente autiste qui est avant tout son rayon de soleil. Face à Audrey Crespo Mara dans le portrait de 7 à 8 sur TF1, l'acteur a raconté les dessous de sa rupture avec la mère de l'enfant, Daniel Abeille, et comment il a géré les débuts de sa garde exclusive. Invité dans l'émission 7 à 8 dimanche 31 mars 2024 sur TF1, Samuel Le Bihan a évoqué avec tendresse sa fille Angia, née de ses amours avec le mannequin d'origine camerounaise et gabonaise Daniela Abeille. Née en 2011, la jeune fille atteinte d'un trouble autistique a été diagnostiquée très tôt alors qu'elle n'avait qu'un an et demi. Également papa de Jules né en 1995 fruit de son amour avec Patricia Franchino et Demma Rose né en 2018 de ses amours avec Angie Vua. L'acteur de 58 ans a obtenu la garde exclusive de sa fille autiste. Être parent d'un enfant autiste, ça met le couple à rude épreuve. Est-ce qu'il y a de la place pour le couple? Line et Roger Audrey Crespo Mara. Oui, bien sûr. Si est-il simple le handicap, si est-il soit vous fuyez, soit vous le prenez à bras le corps. Mais si est-il pas du bout des doigts. Je vois des couples qui explosent, lui a répondu Samuel Le Bihan, à retrouver mercredi 3 avril dans la fiction Tu ne tueras point sur France 2. Vous ça a été le cas, vous vous êtes séparé de la mère de votre fille, a alors réagi la femme de Thierry Ardisson. Oui mais je pense que ça n'a rien à voir, je ne peux pas mettre ça sur le compte de l'autisme, si est-il parce que notre histoire était terminée, confiait l'acteur. Avoir la garde exclusive c'était votre choix? Lui a ensuite clairement demandé la journaliste. Non ce n'était pas mon choix. Je ne vous donnerai pas de détails mais ce n'était pas mon choix, a répondu en toute franchise Samuel Le Bihan. Deux ans à voyager avec Angia le comédien a ensuite raconté comment il a décidé de s'occuper de sa fille. Je me retrouvais avec cette petite fille de 5 ans, j'ai la trouille, je sais pas très bien comment faire et donc je vais partir en voyage avec elle et donc on va passer notre temps pendant deux ans à voyager à partir en Asie aux États-Unis en Afrique et je l'emmène sur les tournages. Si est-il super parce que je la scolarise sur les tournages mais comme tout le monde se dit le pauvre le papa avec sa fille donc tout le monde m'aide je trouve des nounous tout le monde se met en quatre pour me filer des coups de main et ça fonctionne super bien on est tous les deux on est heureux. On dit souvent qu'on les enfants d'avoir un cadre stable, en fait la seule chose qui bouge pas si est-il ou quoi? J'ai fait tout ce qui était interdit quoi, a ensuite Samuel Le Bihan plaisanté. Co-fondateur d'Autisme Info Service, 08 00 71 40 40, Samuel Le Bihan sera élevé mardi 2 avril, journée de sensibilisation à l'autisme, au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Une distinction pour saluer le combat de l'acteur et qui le touche au plus haut point. Just